Je pense qu'il y a une corrélation entre la disponibilité des armes à feu et le nombre de fusillades de masse. Toutes deux sont de plus en plus fréquentes et je pense que ce n'est pas une coïncidence. La disponibilité des armes aux États-Unis est bien plus élevée que toute autre nation industrialisée. C'est un premier facteur. Mais un autre facteur est que tout le monde ici n'est pas forcément satisfait du mode de vie qui est le nôtre. Certains viennent ici avec beaucoup d'illusions, avec beaucoup d'attentes. Et quand ces attentes ne se réalisent pas, ils deviennent très contrariés par les solutions. Je pense vraiment qu'il y a une dimension terroriste. Et il y a deux raisons à cela. Premièrement, à cause du grand nombre d'armes utilisées. Et puis deuxièmement, car c'était planifié, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils préparaient cette attaque.